Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un test des gants Verjari que vous voyez ici. Et ces gants Verjari, ce sont des gants qui sont vendus comme étant des gants étanches. J'ai déjà les chaussettes qui marchent déjà très très bien. Et j'avais envie aujourd'hui de vous montrer un peu les gants Verjari. Aujourd'hui, je les teste en kayak. Donc c'est des gants qui sont à outdoor, on peut les utiliser aussi bien pour faire du vélo que pour faire n'importe quelle chose dehors. Ils sont taillés exprès assez large ici pour pouvoir les mettre par-dessus une veste. Et donc on va les tester tout ça. Ici on a des petits points pour le tactile. Là ici ça accroche. Donc pour les pagaies je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, gants complètement étanches. Donc normalement je devrais pas avoir les mains mouillées à la fin de cette session. Nous sommes le 30 décembre, il fait 0 degré. Et on va aller un peu tester tout ça. On va essayer de pas tomber tout de suite. Hein. Généralement le départ et l'arrivée c'est toujours les points un peu critiques. Alors allez, on va nettoyer les pieds pour pas salir trop le kayak. Allez, bon alors ces petits gants Verjari font bien le taf pour le moment. Ils font plutôt bien le taf. Là vous voyez en fait c'est déperlant hein, vraiment dès que l'eau arrive dessus c'est ça rentre pas. Et puis j'ai pas encore fait le test de mettre la main dans l'eau, mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. Attention, est-ce étanche, est-ce pas étanche? Ben, on sent la fraîcheur de l'eau hein, mais c'est pas mouillé hein. Putain c'est fou quand même hein. Je pense qu'il faut pas aller au-delà de la couture par contre parce que là l'eau va rentrer à l'intérieur. Mais ça fait le taf hein. Ça taille un petit peu large ici. Enfin moi pour le kayak c'est pas ce qu'il y a de plus confort. Et encore je trouve que ça va parce qu'on a l'accroche ici. Mais ouais, ça se passe plutôt bien pour le moment. Regardez-moi cette ambiance, comment c'est joli, la petite brume et tout. Oh le pied. On en revient à nos gants Verjari qui font toujours le taf. Hein. Franchement, là je me suis pris pas mal de petites vaguelettes là. On voit que je suis un peu mouillé. Mes gants en ont pris quand même pas mal. Et je suis pas mouillé. Hein. Franchement, pas mouillé. Bon j'ai un peu froid mais c'est normal, il fait moins 1 degré. Mais avec le contact de l'eau, forcément c'est un peu froid. Mais honnêtement ça va. C'est de la laine de mérinos à l'intérieur. Donc ça va se réchauffer vite avec la peau. Donc franchement. Satisfait de ces gants Verjari pour l'instant. On peut faire le point sur les gants. Franchement, ça fait le taf. Hein. Ça fait clairement le taf. J'ai pas les doigts mouillés, j'ai pas froid. J'ai pas froid aux mains. Petite laine de mérinos qui réchauffe à l'intérieur est franchement bienvenue par rapport aux chaussettes qui, elles, n'ont pas la laine de mérinos. Enfin, en tout cas, celles que j'ai n'en ont pas. C'est franchement très agréable, la coupe est un peu chelou, on va pas se le cacher. Puisque là, on a des... Bah là c'est très large ici en fait. Là c'est pareil, c'est super large donc il faut impérativement... Même moi par-dessus ma combinaison, on voit que c'est quand même... Par contre au niveau des doigts c'est très bien serré, c'est très bien coupé, pas de souci. Mais c'est quand même un peu large donc je sais pas si c'est fait pour des mains d'obèses. Attends, j'ai pris ma taille. Donc en tout cas ouais... On pourra dire que le test est validé. J'attends la fin de la journée pour en être sûr, mais clairement on est pas mal. Merci Verjari, allez à plus, ciao.